l'émergence des systèmes d'information sur la performance commerciale des PME au Mali, des PME du Mali, le cas du district de Bamako. Il a été dirigé par le professeur Zakaria Oukaka et comme rapporteur Issoufou Soumaïla Moulé et Oudou Atikou Diallo. On vous donne 20 minutes, n'est-ce pas, pour nous faire l'économie de votre travail. Et ensuite, votre directeur de thèse va nous parler un peu de vous. Maintenant, vous connaissez les membres du jury, j'espère. Vous avez à ma droite le professeur Ousmane Papa Kanté, ancien doyen de la faculté, et notre doyen à tous, le grand doyen de la faculté de sciences économiques et de gestion, n'est-ce pas, qui a mis en route toute cette machine et qui a permis d'avoir le résultat que nous avons aujourd'hui avec une multiplicité de doctorants et de docteurs. J'en vois dans la salle ici qui sont déjà docteurs depuis des années déjà. Ils sont tous là. Et c'est lui que l'on doit féliciter. Ensuite, vous avez à sa droite le professeur Issoufou Soumaïla Moulé, qui est en train de faire aussi, qui est en train de chercher la titularisation comme professeur agrégé du CAMES. Il est à féliciter aussi. Ce sont des jeunes qui sont en train de nous remplacer petit à petit. Et c'est une fierté. C'est une fierté. Parce que on n'en avait pas. Hein? Professeur agrégé CAMES en économie et professeur agrégé CAMES en gestion. Dieu merci, le Mali aussi commence à relever la tête et discuter comme il se doit, là où il se doit. Ensuite, vous avez le professeur Oudou Atikou Diallo, qui fait partie de pratiquement tous les jurys. Hein. C'est un de nos doyens aussi. Hein. Quand vous voyez la barre, vous allez vous rendre compte que c'est pas. Ils sont nos aînés. Qui a dirigé votre travail et que vous connaissez certainement mieux que nous. Donc vous avez 20 minutes pour nous faire l'économie de l'incidence des systèmes d'information sur la performance commerciale des PME. Hein? Et après, nous allons passer la parole à votre directeur pour nous parler rapidement de la nature des relations qui ont existé entre vous. Monsieur le Président, chers membres du jury, chers invités, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi d'être devant vous ce matin pour vous présenter les résultats de nos travaux de recherche qui portent sur l'incidence des systèmes d'information sur la performance commerciale des petites et moyennes entreprises au Mali, cas du district de Bamako. Monsieur le Président, nous entendons par système d'information l'ensemble des ressources matérielles et immatérielles mises en action pour la collecte des données, le stockage, le traitement, la mise à disposition de la bonne information à la bonne personne au bon moment dans une entreprise. Pour ce qui est de la performance commerciale, nous la comprenons comme étant l'atteinte des objectifs commerciaux d'une entreprise à travers l'usage des indicateurs clés de performance, communément appelés KPI. Monsieur le Président, pour présenter cette thèse, nous avons élaboré le plan ci-après qui s'articule autour des points suivants. Nous avons en grand 1 le contexte de la recherche, en grand 2 les questions et les objectifs de la recherche, suivi des hypothèses et des intérêts de la recherche. Ensuite, nous avons la revue de la littérature, suivi de la méthodologie de recherche, pour finir avec la présentation et la discussion des résultats, tout en évoquant les limites et les voies des recherches futures. Le développement et l'utilisation des systèmes d'information ont considérablement transformé les activités commerciales dans le monde entier. À l'heure actuelle, l'environnement commercial est devenu progressivement dépendant des récentes technologies d'information et de la communication, selon Lalo et Paul. Au Mali, notamment dans le district de Bamako, l'intégration des systèmes d'information dans les stratégies des PME est de plus en plus manifeste à l'ère du numérique. Cette tendance a été confortée par Kone et Terra,
selon laquelle les PME jouent un rôle indispensable dans le développement économique et social des pays africains. Des recherches récentes ont montré l'importance des systèmes d'information dans la performance commerciale des petites et moyennes entreprises. Selon Habib, l'adoption des TIC contribue à la performance commerciale en améliorant les prises de décision et en renforçant la compétitivité des entreprises. Malgré l'importance du poids économique des PME, surtout dans la création des emplois, elles ont des difficultés d'accès au marché rentable et ne sont pas en mesure d'impulser véritablement la création de richesses nationales à hauteur de sujet selon Evan et Orge. En effet, ces entreprises sont confrontées à des défis tels que la concurrence, les problèmes de productivité et de rentabilité, la baisse des chiffres d'affaires et la fidélisation de la clientèle. D'où la nécessité d'analyser l'incidence des systèmes d'information sur la performance commerciale des PME dans le contexte malien. Ce qui nous conduit à notre question principale, à savoir quelle est l'incidence des systèmes d'information sur la performance commerciale des petites et moyennes entreprises dans le district de Bamako. De façon spécifique, il s'agit de répondre aux questions suivantes. 1. Les systèmes d'information influencent-ils la croissance des chiffres d'affaires des petites et moyennes entreprises du district de Bamako? 2. Les systèmes d'information améliorent-ils la productivité des PME des entreprises du district de Bamako? 3. Quel est l'impact de l'outil de gestion de la relation client sur la satisfaction des clients des PME du district de Bamako? Enfin, existe-t-il un lien entre les systèmes d'information et la performance commerciale des petites et moyennes entreprises du district de Bamako? Ainsi, nous nous intéressons aux objectifs de nos recherches. L'objectif principal de cette thèse est d'examiner l'incidence des systèmes d'information sur la performance commerciale des PME dans le district de Bamako. Pour atteindre cet objectif principal, la recherche s'articule autour des objectifs spécifiques suivants. 1. Déterminer l'influence des systèmes d'information sur la croissance des chiffres d'affaires des petites et moyennes entreprises dans le district de Bamako. 2. Comprendre la manière dont les systèmes d'information améliore la productivité des petites et moyennes entreprises du district de Bamako. 3. Analyser l'impact du CRM sur la satisfaction des clients des PME du district de Bamako. Et enfin, examiner le lien entre les systèmes d'information et la performance commerciale des petites et moyennes entreprises du district de Bamako. Ainsi, nous formulons notre hypothèse principale qui est les systèmes d'information ont une incidence positive sur la performance commerciale des petites et moyennes entreprises du district de Bamako. Par conséquent, s'ensuivent les hypothèses spécifiques qui sont les systèmes d'information influencent positivement la croissance des chiffres d'affaires des petites et moyennes entreprises du district de Bamako. 2. Les systèmes d'information améliorent positivement la productivité des PME du district de Bamako. 3. Le CRM a un impact positif sur la satisfaction des clients des petites. Et enfin, il existe un lien entre les systèmes d'information et la performance commerciale des petites et moyennes entreprises du district de Bamako. Monsieur le Président, honorables membres du jury, nous avons un double intérêt pour cette recherche. Au niveau académique, les résultats de nos recherches pourraient contribuer à l'enrichissement de la littérature en sciences de gestion. Au niveau managérial, ils apporteraient des informations aux entrepreneurs et aux praticiens du domaine. Monsieur le Président, pour ce qui est de la revue de la littérature, d'autres chercheurs ont eu à travailler sur la même thématique. C'est pourquoi, selon une étude de Brown et Hall, les PME peuvent avoir de la difficulté à supporter le coût d'implantation des systèmes d'information. Ainsi, l'utilisation efficace des systèmes d'information peut être entravée par des facteurs tels que le manque de compétences en gestion des systèmes d'information et l'insécurité des données selon Zoé et Hall. Selon une étude de Keller, or, l'implantation d'un système d'information peut créer une dépendance envers les fournisseurs extérieurs. D'autres recherches ont démontré l'incidence positive des systèmes d'information sur la performance commerciale des PME. Diallo et Touré ont constaté que l'usage des TIC améliore la satisfaction des clients et encourage la fidélité de ces derniers. Sekou Traoré, Zakaria et Paul ont trouvé un impact positif système d'information sur la performance commerciale des petites et moyennes entreprises du district de Bamako.
Monsieur le Président, honorable membre du jury, pour mener cette recherche, nous avons mobilisé principalement deux théories, à savoir la théorie de la contingence et la théorie des parties prenantes. La théorie de la contingence explique l'organisme, la dépendance de l'organisme vis-à-vis de son environnement. Et il y a, cette théorie stipule aussi qu'il n'y a pas une voie universelle unique, en tout cas pour mener pour une gestion organisationnelle des entreprises. Et quant à la théorie des parties prenantes, elle s'intéresse à l'interaction entre les parties prenantes dans une entreprise. Ces parties prenantes sont constituées la partie interne, c'est-à-dire les clients, la partie interne des travailleurs, et la partie externe, c'est-à-dire des fournisseurs, des clients, des partenaires. Monsieur le Président, honorable membre du jury, nous arrivons à la colonne vertébrale de notre recherche, à savoir la méthodologie des recherches. En charge de gestion, nous avons trois postures épistémologiques qui sont le positivisme qui nous permet de tester les hypothèses, d'expliquer la réalité, les phénomènes de la réalité. L'interprétatisme qui nous permet d'interpréter, d'explorer et de comprendre la réalité du phénomène à étudier. Et enfin, le constructivisme qui nous permet de construire la réalité. Eu égard à nos objectifs de recherche, nous nous sommes positionnés pour le positif, pour mieux expliquer le phénomène et notre mode de raisonnement et la déduction. Monsieur le Président, honorable membre du jury, pour ce qui est des méthodes de recherche, nous en avons trois. Nous avons la méthode quantitative qui nous permet de faire des tests d'hypothèses à travers des données empiriques numériques. Et nous avons la méthode qualitative qui nous permet de faire de l'exploration avec des données non numériques et la méthode mixte qui est la combinaison entre la méthode qualitative et la méthode quantitative qui peut nous conduire à la triangulation des données. Puisque nous nous intéressons au phénomène dans les premiers, nous avons choisi la méthode quantitative basée sur la déduction pour mieux expliquer. Monsieur le Président, honorable membre du jury, nous avons collecté nos données secondaires à travers l'analyse documentaire, c'est-à-dire des informations qui sont issues des structures qui sont du cluster et GNS, la Chambre de commerce, le patronat et la Direction nationale des impôts. Et nos données primaires ont été recueillies à travers le questionnaire qui a été soumis aux différentes entreprises. Pour ce qui est de l'échantillonnage, nous avons adopté la méthode probabiliste avec un échantillonnage stratifié pour 60 PME choisis par commune. La taille de l'échantillon est de 216 PME. Le taux de réponse des 216 PME sur les 360 soit est de 60%. Et l'outil retenu pour la collecte des données et le questionnaire. Les outils de traitement et d'analyse de données et la méthode des tri à plat et la méthode croisée. Monsieur le Président, honorable membre du jury, pour mener cette enquête, nous avons soumis 360 questionnaires aux différentes PME réparties dans les 6 communes du district de Bamako pour une durée de 4 mois et 11 jours. Après le tri des questionnaires, nous avons retenu 216 questionnaires retournés complets et qui font l'objet d'une analyse des données suivant un taux de réponse effectif de 60%. La première phase a consisté à la pré-analyse, vérifier si les questionnaires sont bien remplis ou si les questionnaires sont exploitables. La deuxième phase fut le traitement des données et l'enregistrement des données dans le logiciel. Et la troisième phase a consisté à l'analyse des données sous Microsoft Excel version 2021. Monsieur le Président, honorable membre du jury, pour illustrer nos données empiriques, nous allons vous présenter trois tableaux. D'abord, ce tableau qui illustre la répartition des entreprises selon le secteur d'activité en fonction des effectifs et des pourcentages. Vous voyez ici que le commerce représente 39% des effectifs enquêtés avec un effectif de 87 entreprises. Et au bas de l'échelle, nous avons les entreprises BTP qui représentent 5% pour un effectif de 10. Ensuite, nous avons ce tableau qui illustre la répartition suivant l'ex-statut juridique en fonction toujours des effectifs et des pourcentages. Et ce tableau nous montre que les entreprises individuelles représentent 70%, en tout cas de nos PME enquêtées avec un effectif de 251 entreprises. Enfin, nous avons ce tableau qui illustre le niveau des répondants. Et nous voyons ici que c'est les agents commerciaux qui représentent 40%
en tout cas des PME entités. Et le niveau le plus, le mieux utilisé aussi, ça c'est 22% pour les répondants qui ont un niveau fondamental prémissif. Honorable membre du jury, nous arrivons enfin vers la présentation de nos résultats. Ce tableau illustre que les systèmes d'information influencent positivement la croissance des chiffres d'affaires des petites et moyennes entreprises du district de Bumako en fonction des réponses des répondants sur l'usage des systèmes d'information et avec les effectifs énumérés sur le tableau. Nous avons le deuxième tableau qui illustre aussi les systèmes d'information, que les systèmes d'information améliorent positivement la productivité des PME du district de Bumako. Et nous avons ce troisième tableau qui illustre l'impact positif du CRM sur la satisfaction des clients des petites et moyennes entreprises du site de Bumako en fonction toujours de la réponse des répondants sur l'usage des outils utilisés dans les différentes entreprises enquêtées. Et enfin, nous avons ce quatrième tableau qui illustre l'existence d'un lien entre les systèmes d'information et la performance commerciale et le PME du site de Bumako avec le calcul du PIB en fonction des effectifs observés et des effectifs théoriques. Monsieur le Président, honorable membre du jury, nous arrivons à la vérification de nos hypothèses. Et ce tableau montre que la première hypothèse, à savoir le système d'information influence positivement la croissance des chiffres d'affaires des petites et moyennes entreprises du site de Bumako, a été confirmée. La deuxième hypothèse, à savoir le système d'information améliore positivement la productivité des PME du site de Bumako, a été confirmée. Et la troisième hypothèse, à savoir le CRM a un impact positif sur la satisfaction des clients des PME du district de Bumako, a été confirmée. Et enfin, la quatrième hypothèse, est l'existence d'un lien entre le système d'information et la performance commerciale des PME du district de Bumako a été aussi confirmée. Monsieur le Président, honorable membre du jury, nous arrivons à la discussion de nos résultats. Nous avons atteint tous nos résultats. Par ailleurs, nos résultats sont confortés par des recherches récentes, notamment ceux de Touré, qui dit que l'intégration des systèmes d'information peut non seulement améliorer la performance commerciale et ses entreprises, mais aussi contribuer à leur développement et à la croissance économique du district. Et ces résultats aussi ont été confortés par les travaux de Diallo et Touré, ainsi que de Habib et Paul 2020. Et les travaux aussi ont été confirmés par, validés aussi par Sekou Traoré, Jacques-Yves Kaka et Wall. Monsieur le Président, honorable membre du jury, toutefois, Zoé et Paul ont insisté sur la dimension sécuritaire des données. C'est pourquoi qu'écrit sa présentation sur l'augmentation des cyberattaques dans les entreprises. Monsieur le Président, honorable membre du jury, comme tout travail scientifique, nous avons des limites qui sont de deux ordres, les limites théoriques et les limites méthodologiques. Les limites théoriques, parce qu'en étudiant les liens, les systèmes d'information et sur la performance commerciale, nous avons vu sous l'angle de la gestion. Alors que c'est, on peut voir sur l'angle de d'autres domaines tels que l'économie, tels que en tout cas l'éducation. Donc nous avons vu sur l'angle de la gestion, nous pensons que ça pourrait être une limite. Et quant à la performance commerciale, la performance derrière, c'est un nom polysémique qui a beaucoup de sens, parce qu'il y a la performance, il y a la performance économique, il y a la performance organisationnelle, il y a la performance sociale. Mais nous avons en tout cas mené notre recherche sous l'angle de la performance commerciale. Nous pensons que ça aussi, ça peut être une limite. Et la limite méthodologique. Lors de notre recherche, nous avons utilisé la méthode quantitative. D'autres chercheurs peuvent être tenter à utiliser la méthode qualitative ou la méthode mixte. Maintenant, ce qui est aussi de l'espace de notre recherche, en l'occurrence le district de Bumako, nous pensons que d'autres chercheurs peuvent être amenés à étendre en tout cas la recherche sur tout le territoire du Mali. Monsieur le Président, honorable membre du jury, malgré la modestie quand même de nos apports, nous pensons que
Les apports peuvent être des apports théoriques, parce que le lien entre nos travaux portant sur le lien entre les systèmes d'information et la performance commerciale peuvent être valorisés dans la littérature existante. Et pour ce qui est aussi des apports managériaux, nous pensons que nos données peuvent servir au cadre des entreprises pour mieux comprendre, pour mieux cerner le système d'information. Et toujours, nos résultats peuvent en tout cas aider les praticiens du domaine, en tout cas pour l'utilisation du système d'information. Et enfin, nos données peuvent servir même aux hommes politiques, en tout cas pour la mise en place d'une politique concernant les systèmes d'information. Membre du jury, le sujet de notre thème, à savoir l'incidence des systèmes d'information sur la performance commerciale des PME du district de Bamako. Et la question principale issue de ce thème, qui est quelle est l'incidence des systèmes d'information sur la performance commerciale des PME du district de Bamako, a été répondue. Et nos résultats attestent que le système d'information a un impact positif sur la performance commerciale des PME du Mali. Monsieur le Président, honorable membre du jury, je vous remercie de votre attention. Dans le temps, nous allons poursuivre notre travail. Professeur Zakaria Oukaka, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre impétrant? Qui il est? Ok. Merci, Monsieur le Président. Vous allez me permettre de ne pas sauter la tradition et de remercier les membres du jury qui ont accepté, malgré leur calendrier ou bien agenda très. C'est bon, je peux continuer. Chargé d'accepter d'être là jusqu'à l'UPU. Et mon frère et ami, le professeur Oudo Atiku Diallo, extrême droite, pour sa disponibilité. Je sais que je le fatigue, hein. Je l'envoie des thèses souvent à des moments pas possibles, mais il est toujours là. Merci, cher collègue Oudo, pour tout ce que vous faites pour la science. Et je pense que notre présence aujourd'hui à l'UPU est une illustration de votre engagement. Je voudrais remercier mon jumeau, le professeur Issifou Soumaïla Moulay, parce que pour la petite histoire, nous avons soutenu nos thèses le même jour. Il soutenait ici, je soutenais à Dakar, mais c'était la magie aussi de celui que vous avez présenté au début. Notre magicien, le professeur Ousmane Papa Kanté. Okay? Donc, nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Encore une fois de plus, professeur Moulay, merci. Merci pour tout. Et d'accepter d'évaluer une thèse comme ça, parce que ce n'est pas pour rien qu'on vous a proposé. Quand on parle du système d'information, on sait que c'est votre dada. On s'est dit aussi que ce serait bien pour le label du candidat que vous soyez dans ce jury. Encore félicitations pour votre brillant, même si maintenant vous êtes ancien dans le grade au concours d'agrégation, encore félicitations pour ce brillant succès au concours d'agrégation. Mon cher Moulay, merci beaucoup et merci pour tout. Le professeur Ousmane Papa Kanté, je sais que vous êtes fatigué, on vous fatigue, mais on va faire comment? Votre présence nous rassure, vous avez fait tout pour qu'aujourd'hui soit la faculté a compté des professeurs, des maîtres de conférences, des docteurs, tout. C'est grâce à vous, parce que vous avez cru. Vous n'avez pas voulu arrêter les choses, dire que vous partez à la retraite, mais vous avez voulu mettre les mécanismes et la machine a pris, la mayonnaise a pris. Donc, encore, professeur, nos excuses pour le dérangement, mais on va le faire. On va toujours vous faire sortir de la maison. Vous allez venir regarder ce que nous sommes en train de faire et vous faire travailler un tout petit peu. Donc c'est un mois béni. Je profite de l'occasion pour vous présenter nos excuses. Je sais qu'on a eu à vous faire, mais on va continuer aussi à le faire, quoi. Donc en tout cas, merci professeur pour tout. Alors celui que j'ai appelé le plus vieux mais le plus jeune dans le corps, le professeur
Farikou. C'est toujours avec plaisir que nous siégeons. Et vous avez su toujours arrondir les angles pour que le Mali ait toute cette crème, si on peut l'exprimer ainsi, de docteur. Je pense que ensemble nous avons fait soutenir plus de 20 thèses, plus de 20. Et vous avez toujours été là, et puis avec joie. Donc vraiment, je sais pas, on n'a pas les mots pour vous dire merci, mais je pense que le bon Dieu saura vous récompenser. Et ce que nous souhaiterons qu'il vous donne, c'est une longue vie et une santé de fer, pour que vous puissiez être toujours là et nous aider à faire ce qu'on a envie de faire. Encore, cher maître, cher prof, nos reconnaissances au nom du laboratoire, au nom de la science, de gestion. Encore, merci beaucoup. Du candidat, bon, le candidat, je le... Bon, un peu, c'est peu, mais je vais essayer de parler un peu. Voilà. Sékou Traoré, c'est vraiment un plaisir. C'est un candidat qui force l'admiration. Parce que c'est un professionnel qui est venu me voir et m'a dit, professeur, je veux faire la thèse. J'ai dit, vous faites quoi dans la vie? Il dit, non, j'ai mon cabinet. J'ai dit, je m'en fous, ça, c'est pas mon problème. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille. Et premièrement, je lui ai dit de m'écrire un projet pour le fatiguer, quoi, pour voir s'il va tenir. Il m'envoie le projet. Un mois, deux mois, je ne réponds pas pour voir comment il va tenir. J'avoue qu'il m'a montré qu'il veut faire la thèse. Nous l'avons trimballé pendant un an, de faire des allers-retours pour voir sa capacité. Et je l'ai dit de voir des collègues pour qu'il travaille avec lui. Il a toujours été là. C'est-à-dire, il sait ce qu'il veut, il est constant. Okay? Il a travaillé pratiquement avec tous les doctorants. Ça, c'est difficile. Hein? Et c'est un professionnel, malgré sa situation, il est modeste. Il est humble. Parce que quand il a besoin de toi, tu as l'impression même qu'il a peur de toi. Mais juste pour la connaissance. Je vous l'ai redit, vous savez, dans la vie, il y a trois choses pour lesquelles on se bat. Le pouvoir, l'argent et la connaissance. Pour les deux, on peut les avoir même sous le lit. Même quand on dort, on peut avoir le pouvoir. Même quand on dort, on peut avoir l'argent. Mais la connaissance, si on ne se déplace pas, on peut avoir. Je pense qu'il a accepté de se déplacer pour aller voir tous les membres du labo, que je remercie et félicite du passage, parce qu'on lui a fait des critiques, et pas plus tard qu'hier et avant-hier. Nous l'avons tellement fatigué que j'ai compris qu'il a trop souffert. Hier, j'ai mis le feu avec lui, avant-hier aussi, et il m'a dit, bon, écoutez, professeur, si vous pensez que je ne peux pas soutenir, on arrête tout, quoi, y a pas de problème. C'était la dernière fois qu'il m'a dit ça. Donc, c'était vraiment chaud. C'était vraiment chaud. Je te présente mes excuses, hein, ça n'a pas été facile. Mais comme le maître Papakante le dit, pour purifier l'or, il faut le passer au feu. On a voulu te purifier, c'est pour cela que tu es passé au feu. Donc je suis très fier de ta présentation. Et c'est vraiment quelqu'un qui est bien pour la science. Et moi je le veux afin qu'il puisse au moins montrer aux gens comment ça se passe dans les cabinets. C'est un candidat qui est bon et qui a une forte volonté de partager sa connaissance à travers cette découverte. Et publier trois articles avant la soutenance, je pense que c'est le tout premier qui le fait. Même ceux qui sont dans la chose n'ont pas pu faire ça. Donc c'est vraiment à son actif et il est fortement engagé dans les résultats. Et même si on lui dit que ce n'est pas bon, il est prêt à refaire. Donc vraiment, c'est le candidat idéal souhaité. Je ne peux que lui souhaiter bonne chance, bon vent, et je le confie à vous afin qu'on puisse bénéficier aussi de votre présence ici, intégrer les observations, critiques et suggestions qu'on n'a pas pu intégrer et maintenant qu'on fera ensemble avant le dépôt final. Voilà ce qu'on peut dire de façon résumée sur le très bon candidat que nous avons en face. Vous voulez boire de l'eau? Ah d'accord. Parce que tout dialogue, vous avez la parole. Merci. Dites-nous si l'impétrant a pris en compte vos observations. Si oui, pas de problème. Si non, il va nous dire pourquoi il ne l'a pas pris en considération. Vous avez la parole. Merci, professeur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Que la paix de Dieu et le bonheur de ce mois de carême
nous guide, nous inspire et permette à notre pays de s'en sortir dans ses problèmes de tous les jours. Ya Allah. Et nous, qu'on soit inspiré par le bon sens pour que le travail soit meilleur. Mais avant de commencer, comme il est de coutume, il faut au moins se remercier nos chers maîtres. Parce que la baraka, c'est, je vous dis, ça se cultive, ça se cherche. Et nos chers maîtres qui sont là, qui nous ont enseignés, qui nous ont suivis, en plus de nos parents, il faut vraiment les rendre hommage, les remercier et prier pour qu'ils aient une santé de fer et qu'ils soient encore longtemps parmi nous. Je citerai professeur Farouk, président du jury, professeur Ousmane Papa Kanté, qui, au Mali, a été l'un des artisans qui a cru et qui a donné le coup de former des docteurs, parce que les docteurs, c'est la matière première pour les universités. Un pays qui va créer une université qui n'a pas de docteur, c'est vraiment, ça n'a pas de sens. Donc, dès qu'ils sont arrivés au décanat, il l'a fait, et aujourd'hui, vraiment, on est fiers de lui. Et ceci m'amène à remercier les deux professeurs, comme ils l'ont dit le même jour, ils ont soutenu l'un à Dakar, l'autre à Bamako, qui sont les premiers agrégés. J'ai nommé professeur Zakariaou Kaka, en sciences de gestion, et professeur Issoufi Soumeila Moulay. Je souhaite, je prie pour eux qu'ils soient encore longtemps parmi nous et encore qu'il y ait encore plus d'agrégés pour le Mali. Ceci dit, M. Sékou Traoré, je vais faire une citation de remerciement, parce que ça manque. On vous dit le cœur qui remercie est heureux, car on ne peut pas être à la fois reconnaissant et malheureux. Dans votre document, malheureusement, on ne parle pas du jury, alors que ce sont eux qui sont en train d'évaluer votre travail. Ça, c'est très important. Et ça, c'est le signe du Mali. C'est ce que je rappelle à tout le monde. L'enseignant n'a besoin de rien que de reconnaissance et de bénédiction pour nous. Malheureusement, dans votre document, il n'y en a pas. Vous pouvez vérifier. On a remercié tout le monde, mais on ne parle même pas du jury. Et ça, je ne peux pas comprendre. Et ça, comme je le dis, je ne badine pas, on est du mois de carême. Et ce sont eux qui vont vous évaluer. Quand ils seront dans la salle tout de suite, là, et ils vont dire que ça ne passe pas, comment faire? Donc, il faut y penser. Ceci dit, maintenant, au thème réellement, c'est vraiment d'actualité. Mais comme je l'ai dit encore, le document, il n'y a pas la liste des entreprises PME que vous avez au moins consultées ou bien enquêtées. Ça serait, parce que le premier indicateur, c'est que est-ce que ces entreprises vivent, survivent? Parce que j'ai l'habitude de dire, au Mali, chaque régime qui vient, il vient avec ses entrepreneurs. Et les PME, et à travers votre document, c'est le district de Bamako, et la majorité sont des entreprises individuelles. Souvent, ils sont dans les PTP, ils sont dans le commercial, ils sont dans tout, mais c'est sur l'incidence des systèmes d'information sur la performance commerciale des PME du Mali. On peut voir quelles sont les entreprises que vous avez consultées. Est-ce qu'elles survivent encore? Est-ce qu'elles existent ou elles n'existent pas? Ça serait très intéressant, c'est une de mes questions. L'autre élément que je vais vous demander, sinon vous avez pris en compte toutes mes observations, quelle est la question centrale dans votre travail? Parce qu'il y a deux questions, au moins, par exemple, à la page 15 et à la page 16, au moins le document final, faites en sorte quand même qu'on sache, voici la question centrale du travail, du thème. Bon, il y a des petites coquilles qu'il faut essayer de dans vos tableaux, que vous n'avez pas terminées. Que vous n'avez pas fini, que vous devrez remplir. Par exemple, à la page 123, le tableau 19, il faut essayer de compléter. Tableau 19, il y a des éléments qui manquent. Annexes, vous avez mis les annexes et vos questionnaires, mais ça serait intéressant de connaître la liste des PME que vous avez au moins enquêté, même si vous avez parlé du système d'information sur la performance commerciale, mais ça va nous donner une idée de ces entreprises, au moins au niveau du district de Bamako. Parce que commercial, ça me rappelle encore
C'est pourquoi ça, mais je demande toujours de savoir, par exemple, les entreprises qui vendent pratiquement, et surtout les entreprises individuelles, c'est dans quel domaine, c'est dans la transformation de nos produits locaux, parce que ça serait intéressant, ou bien dans les entreprises des BTP, quel est le domaine dans lequel vous avez beaucoup travaillé vraiment? Ça serait très intéressant pour nous et pour le Mali. Je vous remercie, Président. J'en ai fini. Professeur Moulay, vous avez la parole. Okay. Merci, merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Voilà. Donc, je vous remercie très sincèrement ce matin d'être venu pour aider Monsieur Traoré, n'est-ce pas, à parfaire son travail. Caméraman, vous pouvez, parce que j'ai envie de voir le candidat. Parce que, en fait, nous, ici, on est là pour aider M. Traoré à parfaire son travail. Les critiques qu'on va lui formuler, c'est vraiment dans l'objectif de construire quelque chose, voilà, et peut-être même améliorer ou avoir d'autres idées de continuité par rapport à cette thèse. Mais avant de procéder à ce que j'ai eu à faire par rapport à son travail, je veux remercier mon jeune frère et grand frère aussi, professeur Zakaria Outaka, voilà, qui a, je vous le disais, en 2015, lors de notre première sortie à Saint-Louis, pour les préparations du concours, j'avais fait un rêve. Hein. J'avais rêvé qu'en fait, dans le concours, là, il a été le premier, moi je l'ai suivi. Depuis 2015, je lui ai dit ça, mais au moment où je lui disais ça, il ne croyait pas. Il a fallu 2017, il dit, bon voilà, moi je te suis aussi. Donc, on a attendu 2021, je l'ai suivi. En fait, c'est pour dire toute notre complicité, en fait. Et surtout aussi montrer tout le chemin qu'on a parcouru ensemble, qui n'a pas été un chemin linéaire, hein. C'était un chemin plein d'embûches, avec beaucoup de hauts et de bas. Et souvent, on a dû même pleurer face à l'adversité. Donc c'est pour dire aux jeunes aussi, voilà, le chemin n'est pas facile, mais il faut oser. Et comme il a si bien dit souvent, quand on rêve seul, c'est que ce n'est qu'un rêve, mais quand vous rêvez ensemble, là, un jour, c'est la réalité qui se manifeste. Je remercie aussi le professeur Farouk, qui après ces derniers temps, les épreuves qu'il a traversées, a tenu aussi ce matin à venir présider ce jury. Et sincèrement, chaque fois que je le vois présider les jurys, je me pose la question, je dis, mais lui, il ne se fatigue pas. Et puis, il a cet art de pouvoir bien gérer les débats. Chaque fois qu'on est là, on apprend de lui. Et une fois, je vous signale qu'il m'a enseigné, hein, quand j'étais en quatrième année. Moi, j'ai fait la gestion d'abord, avant de faire l'économie. Et c'est lui qui nous faisait les cours de GRH. Donc, c'est dans son cours, je lui ai rappelé sa citation un jour. Il dit, on n'aime pas le travail, mais on l'aime. Donc, quand il avait dit ça en classe, les gens se posaient, mais ça veut dire quoi? On n'aime pas le travail, mais on l'aime. Voilà. Donc, après, on a réfléchi, on a compris qu'effectivement, le travail, ce n'est pas facile. C'est une activité qui demande énormément d'efforts, mais on l'aime parce que réellement, après l'effort, il y a la récompense, voilà, qui est derrière. Donc, le professeur Papa, moi, je n'aime pas parler de lui, parce que quand je parle de pauvre Papa, c'est comme si je parle de moi-même. Voilà. Donc, Papa, c'est vraiment mon image, et il a été tout pour moi. Quelqu'un qui a été mon parrain de mariage, le parrain de mes enfants, et mon premier garçon aussi porte son nom. Voilà, donc si je dois parler de lui, c'est pas bon. Voilà. Donc vraiment, je ne peux que le remercier pour tout ce qu'il continue de faire pour nous. Et si vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes les deux premiers agrégés, c'est vraiment son effort. Parce qu'au moment où personne ne croyait en nous,
lui nous a dit, écoutez, allez-y. Voilà. Et je me souviens, 2015 encore, hein, quand on était à Saint-Louis, on est parti avec des perdièmes de 30 000 francs. Voilà. Et la chambre d'hôtel qu'on louait, c'était 27 000 francs. Donc on n'avait que 3 000 francs pour pouvoir manger et faire... Et Dieu seul sait, le dernier jour, on n'a même plus l'argent pour louer la chambre. On a dormi à l'aéroport, le professeur Zakaria et moi. Donc voilà un peu quelqu'un qui a cru en nous et qui nous a lancé. Et Dieu merci aujourd'hui. Et malgré l'adversité, hein, voilà, on essaie de porter haut le nom, le drapeau malien. Partout où on sort, voilà, nous sommes les deux ambassadeurs du Mali à l'extérieur. Et on encourage vraiment les jeunes à emprunter le pas, sinon à ne plus passer. Parce que nous, on se laisse, c'est ça. C'est, on pense qu'au Mali. Et on estime que si les jeunes laissent le chemin facile pour se donner au chemin du travail, il y aura au bout de l'effort le fruit de leur. Maintenant, le professeur Poul, qui est mal encadré, hein? le prof Poulou, je l'ai connu quand j'étais étudiant. Il était nouvellement revenu de la Russie et tout le temps, ne le voyait pas comme ça, c'était un gentleman, hein. Et tout le temps, bien travaillé, avec son pull attaché au cou. Il était tout le temps bien braillé, hein. Donc c'était un beau gars. Voilà, donc, on a suivi les chemins ensemble. On a connu aussi des hauts et des bas. Il a connu l'adversité, hein, la fac. Mais malgré ça, il ne va pas baisser les bras aussi. Donc, je le remercie très sincèrement. Parce que tout de suite, on va se retrouver dans le CIU aussi. Donc, par rapport à M. Traoré, on a l'impression que voilà, toi-même, tu bouscules les choses. Et chaque fois qu'il m'a appelé, je lui ai donné rendez-vous, même si c'est X heures partout, quel que soit le point géographique, il s'est déplacé pour me remettre un document. Tout. Donc, en ce moment, j'ai vu que ce n'est pas un jeune, c'est quand même un responsable. Voilà, il a toujours respecté les engagements. Donc, même par rapport à nos commentaires, hein, il a vraiment intégré la majeure partie des commentaires. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres coquilles autres qui restent qu'on peut, après la soutenance, corriger. Je ne veux pas maintenant trop rentrer dans le document. On va essayer d'échanger par rapport au sujet. Voilà. Parce que quand j'ai vu le sujet, très sincèrement, ton directeur l'a dit, moi je suis intéressé par ce genre de sujet, notamment en relation avec les systèmes d'information. Parce que j'ai enseigné pendant quelques années ce qu'on appelle le système d'information et l'intelligence économique. Donc pour ça, quand j'ai vu le sujet, je me suis posé la question maintenant et que je vous repose aussi. Pourquoi vous avez eu à choisir ce sujet, notamment le système d'information? Maintenant, lorsque vous avez choisi ce sujet, il y a un aspect qui a manqué au sujet. C'est-à-dire, vous voulez étudier l'incidence ou l'impact ou l'effet des systèmes d'information sur la performance commerciale. Mais il y a plusieurs architectures de systèmes d'information. Vous ne vous êtes pas positionné sur les différentes architectures de systèmes d'information pour pouvoir voir, mesurer ou identifier ou examiner leurs effets. Par exemple, quand je prends un système séquentiel, c'est différent, n'est-ce pas, d'un système en hub, okay? Qui est aussi différent d'un système en réseau. Bon, selon que vous vous situez dans un système séquentiel ou en hub ou en réseau, Les trois systèmes n'ont pas les mêmes effets, n'est-ce pas, sur la performance commerciale. Parce que généralement, dans ce genre de système d'information, lorsque vous avez des conflits, par exemple, lorsque un conflit est créé quelque part dans le système, comment est-ce que le système va réagir sur la performance commerciale? Donc, voilà. Peut-être que j'aurais aimé que dans votre travail, vous meniez un peu une petite réflexion pour nous donner un peu la chaîne de transmission en fait de ce système d'information sur la performance commerciale. Okay? Ce qu'on appelle le mécanisme de transmission.
Donc, que vous pouvez imaginer, là, vous choisissez en fait de vous positionner sur un schéma et vous allez mesurer, n'est-ce pas, l'impact sur la performance commerciale. Maintenant, deuxième aspect, hein, c'est un peu votre méthodologie. J'ai vu que vous avez utilisé la méthode quantitative. Bon, moi, je préfère, puisqu'à ce stade, dire que vous êtes dans la triangulation, en fait. Ok, parce que vous, en fait, nous, bon, des formations économistes, hein, voilà, nous, généralement, quand vous êtes dans le positionnement positiviste, là, vous êtes carrément dans la triangulation. Parce qu'en ce moment, vous allez utiliser, par exemple, dans votre questionnaire, vous avez à la fois des données quantitatives et des données qualitatives dans le questionnaire. Et vous l'avez fait, bon, parce qu'on reçoit les analyses statistiques, en fait. Donc, vous faites de la triangulation. Maintenant, au niveau du choix de la méthode d'échantillonnage et de tirage, je pense que vous avez dit que vous avez utilisé une méthode probabiliste ou non probabiliste. Probabiliste. Voilà. Mais ce n'est pas bien expliqué, en fait. Parce que quand vous dites une méthode probabiliste stratifiée, je ne vois pas comment est-ce que la stratification a été faite. Vous avez stratifié par commune, vous dites, mais à l'intérieur de commune, comment le tirage de l'échantillon a été mené? Voilà. Est-ce que c'est... Parce que là, quand c'est probabiliste, c'est que vous avez forcément donné, n'est-ce pas, un coefficient ou bien vous avez fait un tirage aléatoire, n'est-ce pas, au niveau de la strate, n'est-ce pas, que vous avez construit. Donc, ce n'est pas bien expliqué. Peut-être que vous pouvez mieux expliquer là-bas comment est-ce que vous avez fait votre stratification. Donc là, c'est une méthode. Okay? Là, en ce moment, vous aurez un échantillon où vous avez l'entreprise, son adresse, tout, et vous faites en ce moment votre enquête. C'est une méthode. Peut-être que ça pourrait vous servir après. Okay? Donc, peut-être à ce niveau, il faut bien clarifier la méthode pour pouvoir bien... Parce que là, quand vous utilisez ce genre d'approche-là, vous avez fait beaucoup de tableaux croisés. Ben, moi, je vous poserai la question, pourquoi vous n'avez pas utilisé l'économétrie aussi, l'économétrie qualitative, surtout pour pouvoir mesurer l'effet du système d'information sur la performance commerciale. Là, on aurait pu savoir, en fait, le système d'information, quand on adopte un système d'information, voilà l'effet de tel pourcent sur la performance commerciale. Voilà. Donc, un simple modèle... qualitatif, peut-être un probit ou bien un logit, ça dépend. Hein? Donc ça vous permet aussi de découvrir un horizon. Voilà, qui est l'horizon, même si les gestionnaires n'aiment pas trop ces zones-là. Et nous aussi, on aimerait vous voir un peu, nous courir aussi. Hein? Bon, je pense en fait que ça va beaucoup améliorer aussi la qualité de l'analyse et puis. Donc, bon, vous avez fait de gros efforts, hein. Voilà, et puis vous avez bien présenté votre travail qui est à votre actif, et la présentation aussi est notée, voilà. Donc c'est très important. La qualité aussi du travail que vous nous avez fourni, c'est un document quand même d'un niveau doctoral, voilà, donc je vous félicite par rapport à ça. Merci, monsieur. Merci, Johan Babakandi. Bassirou n'est pas là. Non. J'avoue que quand j'ai vu Bassirou, je pensais que c'était celui qui avait passé aux élections. Après, j'ai vu Tidjani. Hein? Et puis, apparemment,
ils ont le même âge, quoi. Bassirou Tidjani et Bassirou Faye. Donc, professeur, vous avez la parole, parce que vous êtes monsieur. Je vous remercie, vous allez parler aussi à son nom. Non, je vous remercie, monsieur le président. Je ne vais pas beaucoup parler. Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais dire à l'assistance que vous êtes l'aîné, même si vous n'avez pas de barbe. Même si vous n'avez pas de barbe, c'est vous l'aîné. Et c'est à vous qu'on doit tout ça. On doit beaucoup de choses. Pratiquement tout. Donc je m'arrête à ce niveau. Zakaria, Moulay, Oudou, ça, ils ont lutté avec toi et moi. Donc ici, aujourd'hui, je les remercie. C'est vrai que je suis fatigué, je n'aime pas les soutenances, mais quand ils me font appel, malgré le fait que je n'aime pas les soutenances, je sors pour les voir. Parce que les voir me fait plaisir. Quand j'ai reçu votre document, parce que ce n'est pas vous qui me l'avez amené, c'est quelqu'un d'autre. J'ai dit, mais en réalité, dans quoi on veut me mettre encore? Voici un gestionnaire qui me parle de méthode quantitative. J'aimerais bien voir. J'ai regardé. Dire que je suis resté sur ma faim, ce n'est pas ça. Moulay vous l'a dit, vous pouvez utiliser l'économétrie qualitative. Oudou vous a fait un certain nombre d'observations sur les entreprises. Bon, considérez-les comme mes propres observations. Parce que 216 entreprises, ce n'est pas peu, c'est même beaucoup. Moi, j'ai travaillé au marché, les entreprises individuelles, les sociétés à responsabilité limitée, les SARL, le système d'information, quel qu'il soit, pour l'implanter, ce n'est pas du tout quelque chose de facile. Je m'attendais à trouver beaucoup de choses. Mais ce que je vais vous dire va vous surprendre. Vos résultats, quand j'ai commencé à lire les premières pages, j'ai dit, mais il n'y a pas de problème pour ça. On est parfaitement d'accord. Parce que j'ai expérimenté, pas dans mille et une sociétés, mais dans quelques sociétés, deux ou trois, ça produit les résultats que vous mentionnez. J'ai dit, bon, maintenant, M. Traoré va développer. Mais quand j'ai vu les chiffres, les statistiques, j'ai dit, mais M. Traoré restait en deçà. Il pouvait faire mieux. Je me dis, si je le rencontre, je vais lui demander, vous avez fait votre maîtrise quand et dans quelle faculté? Vous me répondez, c'est plus simple, et ensuite vous répondrez aux autres, parce que le débat est installé comme ça. Il faut que vous... Ah. Ce que vous affirmez est fondamentalement vrai. Je ne sais pas comment vous vous êtes pris, mais tous vos résultats, je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec ces résultats. Mais des pourcentages, des fréquences n'expliquent pas tout, et je me méfie des opinions des directeurs, des comptables et autres, parce que vous n'avez pas toute latitude pour tout vérifier. Ils peuvent répondre complet, mais c'est au marché que j'ai eu également cette attitude. On vient, on vous pose des questions, on vous demande des choses, vous dites oui, ça, sans hésiter, sans aucune hésitation. Mais celui-là ne veut pas dire que ça existe. Maintenant, moi, je me suis dit, quand je serai dans la salle, bien que je sois d'accord avec ses résultats, je vais lui demander comment est-ce qu'il a fait pour avoir la certitude. Parce que vos démonstrations, en réalité, personnellement, m'ont laissé du marbre. Mais vos résultats sont de bons résultats. Ce travail. Donc, ce n'est pas une question, c'est juste un échange. Comment avez-vous fait, Monsieur le Président? Je suis vraiment satisfait de ce qu'il a dit, de son résultat
même si je ne suis pas d'accord avec la démarche, mais pour l'avoir expérimenté moi-même, ça ne se fait pas en insultant, ce n'est pas instantané. Donc, mais dans son travail, c'est vrai que le nombre 216 ou 260 vous donne l'impression que c'est instantané, mais pour installer un système, ça prend du temps. C'est ce qui ne ressort pas. Sans quoi, je n'ai rien contre les fautes d'orthographe et autres. Là, il a dit, tout le monde le dit, c'est pour qui là, ce n'est pas ce qui est important, c'est tout. Ce qui est important, c'est le travail accompli. J'en ai fini. Ok. Merci. Oui. Voilà, ce que le professeur disait là, surtout les réponses, lui là, c'est pourquoi je vous ai parlé un peu de la question économétrique. En fait, nous, en économétrie, il y a ce qu'on appelle les biais hypothétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je viens par exemple, je dis, bon, monsieur Traoré, êtes-vous marié, oui ou non? Donc souvent, la personne peut me dire oui, juste pour masquer le fait qu'il n'est pas marié. Donc ça veut dire que là, le oui là n'est pas un oui, un vrai oui. Voilà. Mais il y a des techniques, par exemple, en économétrie, qui vous permet en fait de corriger ça. Voilà. Donc ça veut dire que ça corrige et que les réponses en ce moment vont être proches de la réalité. Donc c'est pour éviter souvent ces biais-là que dans les statistiques simples, on n'arrive pas à ressortir ça en fait. C'est caché dans ces statistiques. Mais quand vous corrigez ça avec un peu de l'économétrie qualitative, vous le corrigez, ça vous permet d'avoir, d'approximer la réalité. C'est juste pour ça que j'ai parlé d'économétrie, ok? Ok, merci, merci professeur. Je voudrais aussi intervenir sur le travail, en rebondissant directement sur ce qu'il vient de dire, parce qu'avec les économistes, souvent, il y a ce genre de questions qu'on pose, mais ce qui est clair, quand quelqu'un est marié, il est marié ou il n'est pas marié? Hein? C'est comme dans certains questionnaires, quand on demande à quelqu'un, avez-vous le bac? On a le bac ou on ne l'a pas? Il n'y a pas peut-être, il n'y a pas de souvent. Tu l'as ou tu ne l'as pas, n'est-ce pas? Bon, c'est pourquoi dans la méthodologie qualitative, on arrive à redresser ce genre de situation. Parce que quand vous demandez à quelqu'un, êtes-vous marié? La personne va dire oui. Si vous doutez un peu, vous demandez en quelle année vous vous êtes marié. Donc la personne est obligée de vous dire, bon, je me suis marié en telle année. Bon, c'est une année qu'on n'oublie pas non plus. On n'oublie pas. Pour certains cas, on peut oublier et on aide la personne à se remémorer un peu de l'année où... Par exemple, quand on te demande, avais-tu un vélo à l'enfance? Tu vas dire oui, mais en quelle année? Bon, pour aider la personne, on va essayer de l'aider avec des événements. Avec des événements. Je me rappelle mon vélo. Mon vélo, je l'ai eu parce que c'était le vélo d'occasion d'un grand-père. Et je l'ai eu justement l'année du coup d'État de Moussa Traoré en 1968. J'ai eu ce vélo-là. Donc je n'oublie pas. C'est un événement. La possession du vélo est liée à un événement. C'est pourquoi moi j'aurais souhaité que dans cette étude-là, qu'on utilise la méthodologie mixte. Mixte. Allez-y directement au mixte. C'est-à-dire, vous avez le côté quali, vous avez le côté quanti, vous utilisez les deux. Vous utilisez les deux, n'est-ce pas, au lieu de rester carrément quanti. Parce qu'on peut poser la question, justement, aux différentes personnalités que vous avez interrogées, notamment les DG, bon, incidence du système d'information. Bon, tu aurais dû chercher à savoir d'abord si eux-mêmes, ils savent ce que c'est qu'un système d'information. Est-ce qu'ils connaissent? Parce que souvent, c'est les DG, ils sont là, on leur demande d'appliquer des choses, mais ils ne maîtrisent pas eux-mêmes de façon approfondie ce qu'on leur demande de faire. Bon, ça, donc ça m'amène un peu à parler du fond avant la forme, mais au niveau de la forme, je croyais que Oudou allait aborder la question un peu.
vous regardez un peu les sommaires, la table de matière, vous allez vous rendre compte que la pagination a été faussée à l'intérieur. La pagination a été faussée à l'intérieur parce que je vois déjà que vous commencez l'introduction à la page 12. Non, l'introduction, ce n'est pas page 12, c'est page 1. Vous commencez avec le chiffre 1, vous continuez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc pas page 12, mais ici vous allez directement à la page 12. C'est-à-dire la pagination s'arrête juste avant l'introduction, en chiffre romain. Chiffre romain. Et ce chiffre romain-là continue vers la fin. Bon, donc, si vous continuez également vers la fin, vous allez vous rendre compte que là-bas aussi, vous avez faussé un peu parce que vous êtes allé, vous avez continué avec les chiffres arabes en descendant. C'est-à-dire que vous avez fait chiffre romain, mais vers la fin, chiffre arabe-là, vous avez continué alors que tu aurais dû arrêter à la fin de la conclusion pour commencer à aborder les chiffres avec les chiffres romains, là où vous l'avez laissé au niveau en haut là. Hein? La dernière pagination, c'est ça qu'il fallait prendre pour continuer en bas. Ensuite, au niveau de la bibliographie, il faut aussi harmoniser, parce que souvent il y a des noms qui sont en majuscules et des noms qui sont en minuscules. Donc il faut aussi harmoniser tout ça. Bon, Ousmane Babakanté a dit tout de suite que les fautes d'orthographe ne sont pas importantes. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. Non. Et pour un travail de ce niveau, oui. il faut faire des attentions parce que même les questionnaires que vous donnez, s'il y a des coquilles dans les questionnaires, bon, ça porte atteinte à votre image. Vous amenez les questionnaires s'il y a un DG, et avec le DG, c'est vrai qu'il y a beaucoup de DG aujourd'hui qui n'ont pas le niveau, il faut aussi le dire. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas voir. Si vous avez de la chance de tomber sur beaucoup de DG qui n'ont pas sur un bon niveau, donc ça passe. Mais si vous tombez sur un DG qui a un bon niveau, il va voir tout de suite relever vos coquilles. Il va dire, mais ça c'est un investisseur, quelqu'un qui va faire le doctorat, son questionnaire est rempli de fautes. Donc il faut enlever et relire le questionnaire avant de le déposer. Et ensuite, voir un peu sur le plan méthodologique. Bon, s'il était possible d'adopter la démarche mixte, n'est-ce pas, en interrogeant par interview non directive les DG ou les différentes personnalités qui auraient pu vous donner des informations sur non seulement les systèmes d'information, sur la performance commerciale, mais aussi sur le lien entre systèmes d'information et la performance commerciale de leur boîte. J'aurais pu vous donner suffisamment d'informations et aller vous permettre de compléter ce travail-là. J'avoue que j'ai été très satisfait de votre façon de présenter le travail. Vous avez fait une bonne présentation de votre thèse, c'est très important. C'est très important. Beaucoup viennent soutenir ici, mais ils ne présentent pas de cette façon. On sent que vous avez l'expérience. Et le deuxième aspect que j'ai noté, c'est que vous avez publié 3 articles avant de soutenir. C'est vrai, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on voit un impétrant qui prend le temps de rédiger des articles, les publier avant, n'est-ce pas, de penser à sa thèse. C'est très rare. C'est très rare. Donc, ça, ce sont les observations que je voulais apporter. Bon, le document sur lequel j'ai fait mes notes, je ne les ai pas ici. Par exemple, quand vous parlez de la satisfaction du client, on ne veut pas répondre, avoir des informations sur la satisfaction du client si ce n'est pas par interview non directive, pas par questionnaire. Hein? C'est pas par questionnaire, la satisfaction du client, ça se mesure. Ça se mesure et ce n'est pas par le questionnaire. Donc il faut aussi essayer de noter tout ça. Ce sont des éléments d'information, ce sont des éléments, comme l'a dit le professeur Moulay, qui vont vous permettre d'améliorer votre travail. Parce qu'en fait, le but de la soutenance même,
permettre à l'impétrant d'avoir l'impression d'un autre regard sur son travail, mais qui est différent, n'est-ce pas, de l'impression du laboratoire ou de l'impression même du directeur de thèse. Parce qu'il y a des choses que un regard extérieur peut tout de suite voir, mais qui n'a pas été vu par le laboratoire. Hein. Donc voilà les observations que je voulais faire ici, parce que bon, avec directeurs généraux, directeurs commerciaux, agents commerciaux, responsables informatiques. Ensuite, vous avez présenté un tableau, je ne sais plus quel est le numéro du tableau au moment où vous présentiez votre document de façon orale. Par exemple, le niveau d'instruction. On ne voit pas tout de suite dans votre tableau quel est le niveau d'instruction de qui. Vous avez un tableau ici qui fait ressortir le niveau d'instruction. On ne sait pas, par exemple, le niveau, quel est le niveau d'instruction du DG lui-même. Hein? La plupart du temps, sur SARL, tu vas au marché, tu trouveras beaucoup de sociétés familiales, même qui se font appeler SARL sans connaître ce que ça veut dire au fond. Et tu trouveras que les responsables, les premiers responsables, pratiquement, n'ont jamais été à l'école. Voilà. Voyez. C'est des gens qui l'utilisent et qui manipulent ces outils informatiques et autres là qui ont été à l'école, mais à un certain niveau, ce n'est pas à eux qu'on demande. Quand vous demandez au patron de la chose, s'il n'a pas été à l'école, il vous reçoit et il dit ce qu'il veut bien vous dire si jamais il vous reçoit. Donc voilà. Ça, c'est l'expérience que j'ai eue du marché. Donc je me dis que puisqu'on n'a pas la liste nominative des sociétés, donc et c'est surtout les entreprises individuelles qui domine, donc il y a un certain nombre de choses qui manquent, mais n'empêche que quand, même ça, s'ils ne savent pas définir ce que c'est qu'un système d'information, parce que la plupart du temps, les gens qui ne sont pas dans un certain milieu ne pensent pas au système d'information. Bon, j'ai fait un ordinateur, j'ai deux ordinateurs, j'ai ceci, j'ai cela. Bon, maintenant, c'est à leur agent et autres de faire le reste du travail, et généralement quand ils le font bien, vous avez des productions qui se font à temps. Quand les clients viennent pour savoir ce qu'on doit, ce qu'on ne doit pas là, et c'est beaucoup encore plus simple. Donc c'est pourquoi je dis, pour avoir vécu la chose, ces résultats, je suis d'accord avec ces résultats, mais les autres parties qui laissent la vie, je ne sais pas comment. Je pose la question parce que je vois DG et quand je ou directeur commercial, quel est leur niveau intellectuel, ils ont le DF, ils ont le bac, ils ont un master, ou bien ils n'ont rien du tout. Parce que j'ai beaucoup d'amis effectivement au marché. Ce sont des gens qui n'ont jamais eu le DF. Il y en a qui l'ont fait 40 fois, mais ils n'ont jamais pu l'avoir. Bon, ils nous envient, mais en réalité, voilà des gens qui sont 40 fois plus riches que nous. C'est ça aussi. Hein? Et souvent, il y en a qui me disent, mais bon, vous étiez intelligent, c'est pourquoi vous avez eu le bac. J'ai dit, mais entre nous, qui est plus intelligent que qui? Toi, moi, j'ai le bac, j'ai eu le master, j'ai eu le doctorat, mais qu'est-ce que j'ai finalement? Une vieille voiture importée d'Abidjan. Toi, tu as ton 4x4 là. Qui est plus intelligent que qui? Tu as une entreprise. Entre nous, qui est plus intelligent que qui? C'est tout. Parce que tu as une boîte et tu fais travailler des centaines de personnes. Qui est plus intelligent? Bon, mais j'aurais voulu voir dans votre différents tableaux le niveau intellectuel de ces patrons de PME dans le district de Bamako. Est-ce qu'ils sont tous lettrés? Pas le masquer. Mm-hmm. Mais il faut d'autres techniques pour le. La remarque fondamentale, c'est que les trucs organisés en société, maintenant ça ne plaît pas beaucoup aux Maliens, mais
Oudou a parlé de quelque chose, on ne sait pas quelle est la durée de vie de ces sociétés, si elles existent à l'heure actuelle, mais si c'est des sociétés montées par des Maliens uniquement, je trouve ça c'est dans le domaine du commercial, l'achat pour la revente, là, ça disparaît vite. Donc, mais quand on a la certitude qu'on peut recevoir vos observations, je pense que toutes les observations seront prises en compte dans le document final. Maintenant, j'ai quand même j'ai eu des difficultés quand même sur le terrain, même pour la soumission des questionnaires au niveau des entreprises. Parce que souvent, j'ai fait beaucoup de tours sur certains chefs d'entreprise qui refusent catégoriquement. Il a fallu que je montre d'abord la lettre de l'IPI qui parle d'anonymat. Donc, ils ne veulent même pas que leur nom apparaisse, en tout cas, publiquement. Donc, c'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu, en tout cas, mettre la liste des entreprises enquêtées dans notre thèse. Ça, c'est une difficulté que nous avons eue au niveau des chefs d'entreprise, pratiquement de toutes les entreprises. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, ça, c'est la question du professeur Boulay. Traoré, n'appelle pas les noms des profs. Du professeur. D'accord. Donc, l'aspect économétrie, je pense que nous allons approcher le professeur, éventuellement pour parfaire en tout cas notre thèse par rapport à la méthode économétrie que vous voulez. Et la méthode mixte aussi, nous allons essayer d'intégrer la méthode mixte aussi dans notre document. Président, bon, quand j'ai demandé s'il a fini, parce que je sais qu'il a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il a été impressionné par les toges, qui ont beaucoup de couleurs, n'est-ce pas? Le candidat Traoré est un candidat sur qui, comme je l'avais dit, on peut porter beaucoup d'espoir compte tenu de la qualité du travail, parce que, pour pas répondre, mais essayer de réorienter les préoccupations des collègues, professeur Moulay, professeur Oud, et un peu le professeur Papa. Vous voyez, c'est le seul candidat, peut-être que j'ai encadré, qui a voulu dire je suis quantité pur. Vous voyez ça? Et dans une famille, quand vous avez quelqu'un qui n'aime pas faire ce que le père de famille dit, il faut le suivre souvent. C'est ça la science aussi. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Et j'ai dit, mais est-ce que tu ne peux pas mettre le Kali? Il me dit, non, je veux faire du Kanti. Ça m'a plu. Il a entendu aussi ce qui est dedans. Donc, c'est une première de voir quelqu'un qui travaille purement que sur le Kanti. Quand bien même que, je sais qu'il y a des réserves, il y a des limites. Mais il fallait être en face des membres du jury, parce que c'est ça aussi la science. Okay? Mais nous avons dit qu'on a fait du Kanti pur, mais quelque part, on a utilisé le Kali, même voilà. Si ce n'est pas dit, mais il est temps de le dire. Nous avons utilisé, parce que quand on parle de l'incidence du système de formation sur la performance commerciale, vous voyez, on veut établir un lien, une relation sur un processus d'une activité importante et sur, d'un élément fort dans la réalisation du capital axé sur la performance commerciale qui est l'accroissement du chiffre d'affaires. Donc, je suis d'accord avec vous. On a utilisé un peu le Kali, mais qui ne dit pas son nom. Mais nous avons aussi fait un peu de la triangulation, hein, parce que quelque part, il y a des éléments qu'il fallait expliquer. Alors, la thèse de M. Traoré, pour nous, est une thèse qui règle un problème qui existe. La perception que les gens peuvent avoir. Le professeur Moulay a dit la perception. On n'a pas touché, mais en réalité, on parle de cette perception. Okay? On parle de cette perception. Vous voyez, devant, on a dit incident seulement. On n'a pas voulu mettre un mot qui oriente tout de suite le lecteur. Parce que notre thèse à la matière, avoir une thèse qui porte sur le même sujet, n'existe plus ou moins pas, pour être modeste. Donc, quand tu es premier dans le domaine, il faudrait permettre aussi à tout un chacun d'avoir des voix pour y arriver, des modèles. Vous voyez l'incidence. Devant, nous avons fait le choix de ne pas mettre soit on veut évaluer l'incidence, soit on veut l'auditer, on veut le contrôler ou bien l'analyser. Parce que si nous le mettons, on va nous permettre
ou bien nous demander d'être stricts. Et donc ici, nous avons analysé, nous avons évalué, nous avons audité et même diagnostiqué ce que le système d'information peut apporter sur la performance commerciale. Alors, c'est le choix que nous avons fait pour nous permettre en réalité, dans, vous voyez, les limites méthodologiques, permettre à certains de continuer notre travail. Un autre élément qui est important dans cette thèse, c'est la contribution. Vous avez vu très rapidement, on a assisté à une thèse qui confirme les quatre hypothèses. Assez souvent, on ne voit pas ça. On s'attendait à ce que les jurys nous demandent comment nous l'avons fait, mais comme ce n'est pas le cas, le fait que les quatre hypothèses soient validées ne fait pas de notre thèse une thèse supra, hein, mais c'est juste une thèse qui nous permet de nous reposer certaines questions parce qu'on n'a pas directement répondu à la vision de Karl Popper. Donc, les hypothèses sont toutes confirmées, mais c'est pour nous encore une voie de nous reposer des questions pour relancer le sujet. Le professeur Oudou a dit les remerciements. Vraiment, c'est un manquement. Hein, c'est un manquement. Je pense que, voire même l'image du candidat, quelqu'un de très poli et de reconnaissant, quand il oublie de remercier les membres du jury, je ne dirais pas que c'est une faute, mais c'est un oubli, parce que on a soutenu dans le mois de Ramadan, donc on a dû oublier un peu. On va les intégrer avant la fin du mois de Ramadan. Donc, mais, cher professeur, on est très reconnaissant. On sait que vous avez fait beaucoup de choses. On va écrire ça avant le dépôt. On va mettre ça, Inch'Allah. OK. La bibliographie, bien entendu, moi, j'ai soutenu, c'est pas... Lui, il a parlé. Peut-être quand il va nous parler de sa soutenance de thèse, et le professeur Papa, vous savez, toujours on a des problèmes avec la bibliographie. On a toujours quelque chose à dire. Hein? Donc c'est un expert qui a parlé. On ne peut que être preneur de toutes les observations, critiques et suggestions qui ont été faites pour nous permettre d'avoir un document ô combien important pour la science de gestion. Le professeur Ousmane Papakante a parlé. Et je m'attendais aussi parce que c'est un homme d'expérience. Ce que vous êtes en train de dire, il peut vous l'écrire parce qu'il l'a vécu. Mais je sais qu'il sera très satisfait de vous faire face, quand même que la démarche est autre. Mais nous, c'est le résultat qui est important. Nous avons un résultat. Comment vous êtes arrivé est une voie aussi que vous avez vue dans la thèse, mais qui ne colle pas avec ce qui est attendu par les grands maîtres ici présents. Mais quand même, vous avez une démarche. Hein? Sans la démarche, on n'aura pas de résultat. Okay? Et ceux qui nous demandent la démarche ici sont des acteurs du sujet que nous sommes en train de traiter. Alors, pourquoi une autre démarche tant souhaitée par le professeur Issoufou Soumaï Lamoulaye n'est pas... au fait, c'est ce qui explique même votre choix dans le jury. Hein? Hein? C'est parce qu'on veut vous faire clin d'œil pour qu'on puisse corriger ce que nous sommes en train de faire, pour qu'on puisse mettre sur le marché des docteurs qui peuvent jouer avec les deux pieds, autrement dit des docteurs messie, quoi, qui jouent avec les deux pieds. C'est pour cela qu'on vous a choisi dans le jury. Donc, monsieur le président du jury, la thèse de monsieur Traoré pour nous est une très bonne thèse en sciences de gestion, est une thèse qui part de l'existant mais de ce qui n'existe pas, c'est une thèse qui apporte des contributions. C'est une thèse qui essaye de régler des problèmes méthodologiques, mais c'est aussi une thèse qui règle un véritable problème de gestion, qui est de savoir les mécanismes par lesquels le système d'information, qui aujourd'hui en sciences de gestion est un élément important, peut conduire à une performance, pas n'importe laquelle, la performance commerciale. On a discuté, on pouvait dire la performance marketing. Évidemment, quand le professeur Fayouk vous parlait, il disait les consommateurs. Mais ici, on ne s'intéresse pas directement aux consommateurs, mais on s'intéresse à ceux qui sont acteurs et qui gagnent. C'est pour cela qu'on a parlé de la performance commerciale qui est l'accroissement du chiffre d'affaires. L'autre type de performance, c'est quoi? C'est cette performance qui s'intéresse à la prise en compte systématique des attentes des consommateurs. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais ce qui rentre dans la roue. Et pourquoi les PME? Parce que le consensus n'étant pas fait, on s'est dit on peut aller dans ça et se faire des ouvertures pour travailler sur les PME. Voilà une thèse aussi qui fait des propositions
de contribution. Et voilà une thèse qui a une forte valeur ajoutée, qui est quoi? Qui est les trois, qui sont par exemple les valeurs ajoutées. Nous avons beaucoup, les trois articles que nous avons publiés et dans des revues internationales à comité de lecture. Donc, nous allons intégrer toutes les observations et c'est pour moi une fierté, un honneur de vous avoir, de travailler avec vous. Et je suis convaincu que si vous ne lâchez pas, vous pouvez apporter beaucoup de choses et pour votre cabinet et pour ceux qui vous entourent. En tout cas, j'ai été très honoreux de travailler avec vous et je pense que l'humilité et la modestie qui vous caractérisent, vous devrez continuer à travailler avec ça parce que c'est le premier gage de crédibilité, de toute longévité dans la science. Monsieur le Président, je suis fier du candidat. Je pense et j'ose espérer que ce candidat intégrera toutes les observations, surtout que ses acteurs ou ses frères, les membres du labo sont tous là. Ceux qui l'ont aidé, je voudrais les féliciter et les remercier de passage parce qu'ils ont sacrifié leur temps pour être avec lui, nuit et jour. Et c'est ça le résultat. Au nom de ces coups, je remercie tous les membres du labo pour tout ce que vous avez fait. Vous l'avez fait pour vous, l'histoire fera pour vous. Merci, monsieur le président. D'en parler, il a son patron d'en parler. Parce qu'il veut que ses impétrants tirent et du pied gauche et du pied droit. C'est pareil pour l'autre là. Il faudrait, question méthodologique et question analytique là, qu'ils échangent les deux labos. Ouais. Les deux labos. Et sans quoi? Ouais. Il y aurait des problèmes. S'il avait en parlé, je n'allais pas en parler. Je crois qu'on a pris bon nom, on a pris bon nom. J'ai la future collaboration. Vous êtes là, mon équipe est là. La même direction. Parce que déjà, je ne vous apprends pas. Dès lundi, il y aura le lancement de notre revue commune. Mm-hmm. Voilà, une revue en sciences économiques et de gestion qu'on a créée. Mm-hmm. Il y aura les deux séries, la série gestion et la série économique. Okay. Voilà, avec comité scientifique international. Donc, on va lancer les premières contributions lundi. Voilà. Déjà, lundi, l'impact. Non, on va lancer. Nous, on lance sur les réseaux, donc ça va partir. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, la collaboration, on est obligé. Même hier, on était ensemble pour rencontrer les doctorants d'une époque doctorale. Okay. Et voilà. Et puis, on est convenu en fait de séminaire méthodologique conjoint pour les économistes et les gestionnaires. Okay. C'est nécessaire, professeur. Je remercie une fois de plus les membres du jury et les invités qui nous ont assistés. Et je suis très très fier quand même des membres du jury parce que avoir les professeurs agrégés dans, en tout cas, étant membre du jury, ce n'est pas donné à tout le monde. Et aussi les doyens que vous êtes les précurseurs quand même du doctorat au Mali. Donc vous avoir ensemble, c'est vraiment un sentiment de fierté. Je vous remercie beaucoup. Okay. Ah, c'est fini. Oui. Je remercie aussi le directeur de thèse. Non, pas moi, je vais remercier. Oui. Remercier les dames. Voilà. Qui ont vraiment voulu. Ouais. Fatigué, j'ai dit sûrement que ta famille a compris que tu as souffert dans cette histoire. Quoi. Parce qu'entre avant-hier, hier, c'était vraiment. Oh. Donc je voudrais. Peut-être pas présenter, parce qu'on l'a vraiment cuisiné, hein? Vous avez compris ça. Donc c'est pour ce bon résultat que nous l'avons fait. Donc, mention spéciale aux dames. Docteur Sékou Traoré, nous venons de délibérer. Les membres du jury sont tous d'accord que vous méritez le titre de docteur. Et on vous a accordé la mention très honorable avec félicitations du jury. Ce que nous devons ajouter, c'est que vous avez fait quelque chose que personne ici encore n'a fait, c'est publier des articles avant la soutenance. Donc nous encourageons les autres impétrants aussi à le faire et nous encourageons beaucoup plus ceux qui sont déjà opérationnels
à publier des articles. Parce que c'est ça aussi l'enseignant-chercheur. Si tu ne publies pas d'articles, tu sers à quoi? Enseigner seulement. Je sais que c'est très difficile parce que vous n'avez pas suffisamment de moyens pour faire ces choses-là. Mais comme je le dis toujours, nous sommes toujours à votre disposition pour travailler avec vous sur des articles. Je m'adresse là aux autres membres du laboratoire, aux anciens chercheurs qui sont là, qui sont maîtres assistants, qui souhaiteraient être maîtres de conférences. On est prêt à vous aider si vous nous amenez des articles, on va dire. Il n'y a aucun problème. C'est vrai que, bon, on est un peu fatigué. Quand Ousmane dit qu'il est fatigué, bon, il n'est pas fatigué. Hein? On va fournir encore beaucoup, beaucoup d'efforts pour vous aider. Donc, merci à vous, merci à l'assistance, merci à mesdames, les épouses, sans lesquelles vous n'auriez pas pu faire cette... Donc, félicitations. Merci. Courage à cette Merci. Merci. À la maison, vous vous appelez docteur Monsieur Momad. Docteur, c'est ça. À la maison, c'est docteur maintenant. Voilà. Ok. On vous file la toge. Maintenant, quand vous parlez, c'est un docteur qui parle. Quand vous regardez, c'est un docteur qui regarde. Quand vous mangez, c'est un docteur qui mange. Il faut penser à tout. Moi, c'est docteur Sekou Traoré. Je viens de passer ma soutenance touristique avec brio. J'ai réussi à mon doctorat en tant que vraiment docteur en sciences de gestion. La soutenance s'est bien passée parce que le jury était composé d'éminentes personnalités, des professeurs agrégés et des professeurs de grande renommée internationale aussi. En l'occurrence, le président du jury, Faroukou, le professeur Papa Kanté, le professeur Smaïla Moulay, le professeur Oudou Atikou. Donc la soutenance s'est très bien passée. Le thème portait sur l'incidence des systèmes d'information sur la performance commerciale des petites et moyennes entreprises au Mali, cadre du district de Bamako. Bon, les difficultés quand même sont nombreuses, hein, parce que c'est sur le terrain surtout qu'on rencontre des difficultés avec les répondants. Et quand on se déplace pour aller, en tout cas, aller sur le terrain pour recueillir les informations, on a vraiment du mal à les avoir parce que les répondants ne comprennent pas l'enjeu de la recherche. Bon, c'est un sentiment de joie, hein, c'est un sentiment de joie parce que vraiment réussir sa thèse avec mention très bien, et félicitations du jury, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est un sentiment de joie. La deuxième satisfaction, ça, c'est vraiment la présence, la qualité de la présence des membres du jury. Je remercie tout le monde, je remercie à commencer d'abord par les membres du jury, par mon directeur de thèse, aussi les invités qui se sont déplacés. Nous sommes en mois de carême, donc vraiment laisser ses préoccupations pour venir assister à la soutenance, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc un grand remercie à tout le monde, merci. Moi c'est le professeur Zakaria, je suis à la faculté des sciences économiques et de gestion. Je pense que ce n'est pas mes impressions qui sont importantes, mais c'est ce que le jury vient de dire. Vous avez vu, c'est une première, et le constat est fait, et nous avons fait une délibération à l'unanimité. Un professionnel qui revient, qui fait une thèse, qui fait des publications, pas des moindres, dans des revues cotées, à un comité de lecture, bon, il faut le dire, 3 publications avant la soutenance, et je suis très fier de l'avoir en tant que docteur en sciences de gestion. Mais aussi la mention. C'est une mention qu'il faut justifier. Et il a eu la mention très honorable et les félicitations des membres du jury. Je pense que c'est une fierté, c'est un honneur pour la science au Mali.